Alhamdulillah, salat wa salam ala Rasulillah. J'ai reçu une demande de captage que nous allons faire, inshallah. Donc, voilà ce qui est dit. Je vous propose de faire un captage et le filmer pour mettre sur YouTube concernant la nouvelle loi sur les vaccins obligatoires pour les nouveau-nés en France et en Europe. En effet, les associations sont en train de crier au scandale car ces vaccins renferment des métaux lourds qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Et beaucoup de gens ont attrapé des maladies bizarres. Beaucoup de médecins, chercheurs dans le monde entier confirment. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous me tenir informé? Voilà. Donc, il y a une nouvelle loi qui rend les vaccins obligatoires pour les nouveau-nés en France. Et apparemment, des vaccins qui contiennent des métaux lourds, qui sont très nocifs pour la santé. Alors, est-ce qu'il y a une affaire mystique derrière ça? Une affaire occulte de djinns, de sorcellerie, de programmation des êtres humains, de signes de la fin des temps, ou bien il n'y a rien du tout. Nous allons voir, inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim min awliyi Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin aynama takunu yati bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا Bonjour. Oui. Alors voilà, nous souhaiterons poser une question sur les vaccins. Oui. Oui. Chaque enfant disjoint avec lui, qui viennent avec le vaccin. Mais il y a quoi dans le vaccin? Vous voulez quoi? Ça veut dire que le monde des humains doit devenir le monde des djinns. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin qui enlève les djinns? On a fabriqué ça en Afrique. En Afrique? Oui, avec des oxyres. Qui apporte les kills envers les êtres humains. La sorcellerie qui a mené dans les vaccins, ce n'est pas les médecins et les laboratoires qui ont fabriqué les vaccins. Non. D'accord. Et c'est qui parmi les humains qui a eu cette idée géniale? Les Israéliens. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec la venue de Dajjal? Est-ce qu'il y a un lien avec la prochaine arrivée de Dajjal? Ah oui. Ah oui, c'est comment? Oui. Explique-moi. Non. Oh, tu veux pas m'expliquer? Non. En tout cas, c'est comment vous préparez la venue de Dajjal? N'est-ce pas? Oui. Ok. Mais exactement le lien, tu veux pas me dire? Non. Ce sont des secrets. Des secrets? Oui. Alors, nous avons une récompense. Non. فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Tu es un serpent. Oui, j'ai compris. فترة الله التي. C'est quoi? C'est le venin qu'on met dans la bouche des enfants ou bien l'effet de la vaccination avec. C'est votre venin dans la bouche des enfants. Oui. Merci beaucoup pour cette information. فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un enfant.
C'est pas pour moi le vaccin, faut garder pour ça, pour mettre ça à sa place. فترات الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحق الله فترات الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحق الله حرمت عليكم الميتة Alors, tu veux nous dire quelque chose sur les vaccins des enfants d'Europe, oui? La venue de Delta. Et pour ça, il faut faire quoi au bébé? Vous les attaquez pour qu'ils deviennent malades ou pas? Ils vont se déformer mentalement. Et comme ça, ils vont accepter de suivre la gêne. Ok. Alors, votre récompense. Même dans les vaccins qu'on donne aux enfants en Afrique. Oui.
Combien de sorciers ont participé à ce travail? Oui, il y a 124 sorciers. 124? Oui. Parmi les Africains? Oui. Et les Israéliens? Oui. Ok, sous ces 124 sorciers, reste-tu n'avec que des chats d'un gâteau? Oui. Pas qu'un chat, non, encore les trois. Qu'est-ce que vous avez dit?